Je pars sur une illustration aujourd'hui. J'aimerais faire un vlog et en même temps faire l'illustration et la mettre sur ma boutique. Donc on va faire ça aujourd'hui et le fait de filmer, ça va sûrement me motiver. Je vous mets juste là les illustrations que j'ai mises sur mon Instagram et je vais m'inspirer de cette idée-là pour faire une méga grosse illustration, je pense à 4 ou à 5, je sais pas encore. Bon, à voir. Et je veux vous emmener avec moi dans mon processus créatif, tout ça. C'est parti. Je m'étais trompée, j'ai travaillé en RVB, du coup j'ai dû mettre tout en CMJN, mais ça n'a pas vraiment changé les couleurs en soi. Et après j'ai dû mettre du coup deux fois le format dans un format A4 pour l'impression, et j'ai laissé des marges blanches autour parce que de toute manière mon imprimante va me faire des marges blanches automatiquement, donc je les prévois moi, comme ça je suis sûre que ça découpe pas sur mon dessin. Donc là, je suis au stade où j'ai fini l'illustration et je vais passer à l'impression. Voilà, on va voir ce que ça donne. Vous allez voir ça dans quelques instants. J'ai trop hâte. J'ai mis une feuille. Avale ma feuille. Les couleurs ont l'air top. Et maintenant, place à la découpe. Thank you.
Sur ma boutique Etsy, j'ai fait ajouter une fiche produit. J'ai ajouté les photos que je viens de prendre et de changer un peu sur Photoshop. Puis, je vais faire la description du produit, quoi. Ses dimensions, tout ça, le prix. Ensuite, j'ai plus qu'à publier. Et voilà le résultat sur ma boutique. Et vous pouvez aller voir ça, j'ai mis tous les liens en description si ça vous chauffe. Et j'espère en tout cas que ça vous a donné envie aussi de créer des trucs artistiques et vous aussi de vendre vos produits. Voilà, à très vite sur l'internet.